Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Professeur Kabli, mon ami Professeur Kabli, et aussi le comité de l'AMICA de m'avoir associé à cette manifestation. Et je vais essayer de vous parler de l'actualité dans la tuberculose. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de le faire tout en respectant autant que possible le temps qui m'est imparti. Alors, comme vous le savez, la tuberculose est une maladie infectieuse à transmission interhumaine. Il est dû au Mycobacterium tuberculosis. C'est un défi qui continue à le rester, donc un défi pour l'humanité. Et ça reste aussi une pathologie d'actualité. C'est un problème majeur de santé publique dans le monde, malgré les nombreuses stratégies qui ont été mises en place dans l'ensemble des pays. Et puis, avant la pandémie de la COVID-19, la tuberculose était l'une des principales causes de décès par agent infectieux dans le monde, au même titre que le VIH-Sida, et c'était à peu près 3700 décès tous les jours à travers le monde. Alors, je vais vous parler des actualités dans la tuberculose, donc en essayant d'abord de vous parler de ce qu'il y a de nouveau en matière d'épidémiologie, surtout de l'association tuberculose COVID-19, et puis aussi vous parler des actualités en matière de diagnostic, en matière de traitement. Je dirais aussi des actualités sur les infections tuberculeuses latentes. Et enfin, on va finir par les vaccins antituberculeux. Qu'est-ce qu'il y a de neuf en termes de vaccination? Alors tout d'abord, pour l'épidémiologie de la tuberculose, donc ça c'est l'épidémiologie mondiale, donc un total de cas pour l'année 2020 qui est de 5 830 381, donc une incidence qui est à 127 pour 100 000 habitants. Alors, de point de vue mortalité dans le monde, donc on est à une incidence de 17 pour 100 000 habitants. Et puis, vous allez voir que pour le Maroc, donc on a pour l'année 2020 un nombre de nouveaux cas et de rechutes qui est à presque 29 000 cas, avec une incidence qui est à 80 pour 100 000 habitants. Et vous voyez aussi des chiffres qui sont sur le tableau. Donc, les chiffres que vous avez ici d'incidence totale, donc vous voyez 36 000, en fait les 36 000. Donc, c'est l'estimation des nouveaux cas qu'on devrait détecter au niveau de notre pays. Et sur les 36 000, donc, il y a eu 30 000 nouveaux cas qui ont été détectés au niveau de notre pays. Donc, ça, c'est important comme chiffre à garder en tête, parce que vous allez voir l'impact de la COVID sur ces chiffres. Alors, dans le monde, donc, si on cherche les 5 facteurs de risque, donc, et on voit un petit peu leur impact sur les cas de la tuberculose, donc, vous voyez que la sous-alimentation vient en premier, c'est celle qui donne le maximum de cas, 2 millions sur les 5 800 qu'on a vus. Le VIH en deuxième, les troubles de l'usage de l'alcool, et puis le tabagisme, et enfin le diabète. Par contre, si on part sur les cas attribuables aux 5 facteurs de risque en 2020 pour le Maroc, bien sûr, il y a la sous-alimentation en premier, mais il y a aussi le tabagisme qui vient juste après. Au même titre, donc le même nombre de cas pratiquement pour le diabète, et puis loin derrière, le VIH et les troubles de l'usage d'alcool. Alors, tuberculose et COVID-19, donc c'est l'actualité en fait. Donc, c'est deux maladies graves, c'est deux maladies qui sont grévé d'une mortalité importante, ces deux maladies qui se ressemblent parce qu'ils peuvent donner des symptômes qui sont communs, la dyspnée, la toux, la fièvre, mais c'est aussi deux maladies qui ne se ressemblent pas parce que ce n'est pas la même présentation radiographique, ce n'est pas la même évolution, ce n'est pas le même pronostic, et puis surtout ce n'est pas le même délai des cas secondaires qui vont apparaître autour d'un cas. Donc vous savez que pour la tuberculose, ça peut venir des années après, mais pour la COVID, c'est des jours après. Alors, la pandémie COVID-19 a eu un impact négatif sur la pandémie de la tuberculose. Du moment que cette pandémie COVID-19 est à cause des confinements et des mesures restrictives, il y a eu une crise économique, une augmentation de la pauvreté à travers le monde. Et c'est ces éléments-là qui sont aussi des déterminants importants de la maladie tuberculeuse. Donc, de ce fait, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des cas de tuberculose dans le monde. Et l'OMS estime que pour 3 mois de confinement, il y a 6 millions d'infections tuberculeuses latentes en plus à travers le monde. Il y a une baisse de la détection des cas de tuberculose.
Et cette pandémie de COVID-19, surtout, elle dure maintenant, il risque d'anéantir les efforts qui ont été obtenus dans la lutte contre la tuberculose et d'inverser les progrès réalisés. Alors, on va voir un petit peu l'impact sur les notifications, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a une baisse significative des notifications, 25 à 30%, donc entre le mois de janvier et le mois de juin 2020, selon l'OMS. Et les résultats, si vous prenez les 84 pays qui notifient les 84% des cas de tuberculose à travers le monde, vous avez une baisse de notification de 21%. Et si vous partez aux 10 pays qui ont le plus de notifications, vous avez une baisse de 28%. Et l'OMS estime aussi qu'il y a un demi-million de décès supplémentaires dans le monde, donc à cause de cette double pandémie Covid-tuberculeuse. Et ça ramène en fait le monde à une décennie en arrière en matière de tuberculose. En matière de lutte anti-tuberculeuse tout court, donc on est à 5 années en arrière par rapport aux progrès qui ont été réalisés. Et si on va au Maroc, donc on a une baisse de 6% en termes de notifications par rapport à l'année 2019. Ça veut dire qu'on a raté 6% de patients qui n'ont pas été détectés, qui n'ont pas été traités. Et vous avez ici donc les chiffres de 2019 et de 2020. On était à 30 762 en 2019, avec le même objectif estimé qui est de 36 000. Et en 2020, donc, on est à 2 900 à peu près. Donc, on a cette perte de 6% dans les notifications en matière de tuberculose à cause de la COVID-19. Alors, tuberculose et COVID-19 maintenant dans la littérature. Donc, 13 études identifiées, 7 séries de cas, 10 comme études d'observation ou de cohorte. Et on s'est en fait posé 3 questions. Est-ce que la COVID-19 donc, va avoir un impact sur les patients qui ont une tuberculose maladie active? La deuxième question, est-ce que cette COVID-19 va avoir un impact chez les personnes qui ont fait une tuberculose, qui ont gardé des séquelles? Et enfin, est-ce que cette COVID-19 va avoir un impact sur les infections tuberculeuses latentes? Alors, les réponses à ces 3 questions, c'est que la tuberculose évolutive et active peut augmenter le risque de développer une forme grave de COVID-19 et accroître la mortalité qui est imputable à la COVID-19. La même chose pour les tuberculoses anciennes, mais pour les tuberculoses latentes, donc ils n'étaient pas généralement associés à une forme sévère de COVID-19. Alors, je voudrais partager avec vous un cas clinique qu'on a vécu au mois de mars 2021. Donc, une jeune patiente de 28 ans, mariée, qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier, qui rapporte dans son histoire de la maladie un syndrome bronchique et une dyspnée qui évoluait depuis 3 mois dans un contexte d'altération de l'état général, mais avec une aggravation brutale, avec une détresse respiratoire fébrile depuis quelques jours. Et puis, à l'examen, c'est une dame qui est effectivement fébrile, donc tachycarde, et il désaturait à 85 à l'air libre, avec une cyanose des lèvres, des signes de lutte respiratoire et des râles crépitants à l'auscultation en basie thoracique bilatérale. Alors, voici l'imagerie. Donc, en fait, c'est un aspect de miliaire, mais il n'y a pas que la miliaire. Donc, si vous regardez bien, surtout sur les fenêtres qui sont en bas, vous voyez qu'il y a aussi du verre dépoli. Donc, il y a une milière, mais il y a aussi du verre dépoli chez cette dame. Alors, on fait un gène expert, donc qui revient positif. Donc, on a une tuberculose milière, ça c'est sûr. Donc, on a fait en fait en plus un multiplex, donc, et une infection en fait, on cache une autre. Donc, le deuxième recherche qui était positive, c'est la PCR COVID-19. Donc, en fait, il y avait l'infection tuberculeuse, la biliaire tuberculeuse, plus donc, l'infection à la COVID-19. Et puis, donc, comme c'est jamais 203, sur le multiplex, il y avait un autre germe, en fait, il y avait aussi un multiplex positif à l'entérovirus. Donc, en fait, on avait une dame donc, qui a fait une tuberculose biliaire, qui a fait la COVID et qui avait en plus une infection entérovirus, sachant que cette dame était VIH négatif et qu'il n'y avait pas, dans le bilan que nous avons recherché, quelque chose en faveur d'une immunodépression. Alors, deuxième volet de ma présentation, c'est le diagnostic de la tuberculose.
Alors, lorsqu'on fait le diagnostic de la tuberculose et les tests que nous réalisons en matière de tuberculose, donc ils sont faits pour qu'on puisse avoir un diagnostic sûr. Et pour cela, il faut qu'on ait des examens les plus sensibles qui soient, mais il faut qu'ils soient aussi accessibles, qu'ils ne soient pas très coûteux. Et la deuxième chose en matière de diagnostic de tuberculose, qui est très handicapante dans les prises de décision thérapeutique, c'est qu'il faut avoir un diagnostic rapide. Et pour avoir un diagnostic rapide, donc heureusement que maintenant, donc on a cette possibilité de biologie moléculaire qui a raccourci de manière importante les délais diagnostiques. Alors ça, c'est l'histoire. Donc vous savez que pour le diagnostic de la tuberculose, il y a la microscopie, l'examen direct, une sensibilité à 60%, mais 60% si vous êtes devant des tuberculoses bacillifères. Ça tombe à 28% si vous êtes devant des tuberculoses qui ne sont pas très bacillifères. En matière de tuberculose, et c'est toujours le cas, le gold standard, celui, l'examen avec lequel on va tout comparer, c'est la culture. Parce que c'est l'examen qui va avoir une spécificité importante et elle permet de faire l'antibiogramme. Et la culture, malheureusement, prend beaucoup de temps pour qu'elle soit utile cliniquement pour le diagnostic et pour la décision thérapeutique. C'est pour cela qu'on a toujours cherché à avoir des tests diagnostiques rapides qui ne soient pas coûteux, accessibles et qui soient hautement sensibles en matière de tuberculose. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Je pense que c'est connu depuis maintenant quelques années, donc ce n'est peut-être pas une nouveauté, mais je la rappelle quand même. Classiquement, on disait qu'il faut faire 3 BK dans les expectorations le matin à jeun 3 jours de suite. Donc maintenant, la recommandation, donc c'est sur les recommandations de l'OMS depuis 2 ou 3 ans, c'est sur le guide de la tuberculose du Maroc depuis 2019. Donc il faut faire au moins 2 échantillons d'expectoration. Le premier, vous le faites à la première consultation, lorsque vous recevez le patient, et vous faites un deuxième le lendemain matin, dès le réveil, ou encore, vous pouvez faire 2 échantillons à 2 heures d'intervalle, donc, et c'est largement suffisant pour faire les prélèvements en matière de tuberculose. Alors, la microscopie, l'examen microscopique, donc on recherche bien sûr la présence de barres, donc je passe sur ces choses-là, ils sont connus et c'est des choses qui ne présentent pas tellement de nouveautés. Mais juste pour dire qu'en fait, ça détecte rapidement, mais encore faut-il que les patients soient contagieux et qu'ils soient bacillifères. Donc sinon, c'est un examen qui n'est pas très sensible, encore une fois. Alors la culture, bon, je pense que ce n'est pas une actualité, mais c'est bien de le noter. Donc classiquement, les milieux solides, donc quels que soient ces milieux, celui qu'on connaît le plus, c'est le milieu de Loewenstein-Johnson. Donc, et ce milieu-là, donc, lorsqu'on est devant des tuberculoses bacillifères, le délai pour avoir la culture et la positivité de la culture, c'est entre 14 et 21 jours. Et lorsqu'on est devant des tuberculoses qui ne sont pas bacillifères, ce délai passe de 21 jours à 42 jours. Par contre, lorsqu'on utilise des milieux liquides, donc on raccourcit ces délais, à 5-10 jours en cas de tuberculose bacillifère et à 10 à 28 jours en cas de tuberculose non bacillifère, c'est-à-dire les tuberculoses à microscopie négative. Et puis, donc bien entendu, s'il y a quelque chose sur laquelle il faut insister, si on fait des cultures, il faut préférer de les faire sur milieu liquide pour raccourcir ces délais parce que c'est important d'avoir un résultat final rapidement. Maintenant, on arrive aux autres examens qu'on peut utiliser. Maintenant, on peut donc faire ce qu'on appelle la détection de l'antigène MPT64 et on le fait sur les cultures. Et le but, en fait, c'est d'identifier rapidement que la mycobactérie qu'on a fait partie du complexe Mycobacterium tuberculosis. Donc, pour cela, donc, on a donc une manipulation très simple à faire et après une lecture qui se fait donc en 10 à 15 minutes, c'est facile, c'est pas coûteux, ça coûte dans les 50 dirhams à peu près, 4,50 € le test, et ça permet donc rapidement de savoir qu'on est devant un Mycobacterium tuberculosis, et c'est un progrès majeur pour les laboratoires qui font la culture. Alors maintenant, examen important aussi, l'expert MTB-RIF, donc où les tests automatisés semi-quantitatifs pour faire des PCR en temps réel.
ça détecte le BK, mais ça permet aussi de rechercher une mutation du gène RPOB qui est en faveur de la résistance à la rifampicine. Et la résistance à la rifampicine, il est rarement isolé. Donc souvent, il est associé à une résistance à l'isoniazide. Donc ça vous permet en fait d'emblée de détecter une multirésistance. Alors la sensibilité est entre 68% à 88%. Bien sûr, la sensibilité augmente lorsqu'on est devant des tuberculoses bacillifères et la spécificité, elle est pratiquement de 100%. L'autre avantage de ce test, c'est que vous pouvez le faire sans que vous soyez dans un laboratoire. Vous pouvez le mettre dans un centre de diagnostic de la tuberculose et la manipulation n'est pas très difficile à faire. Elles peuvent être faites sans qu'il y ait même un technicien de labo pour la réalisation. Alors, ce test-là, donc l'OMS l'a approuvé en 2010 comme test initial dans le diagnostic des tuberculoses multirésistantes ou chez les patients VIH positifs. Au Maroc, on a commencé à l'utiliser dans ces indications depuis 2014. Et en 2013, donc la FDA a permis la commercialisation de ce test. En 2014, l'OMS a étendu ses recommandations pour l'utilisation chez tous les patients, même chez des patients qui sont TEP ou tuberculose extrapulmonaire. Et vous allez voir qu'au Maroc, on l'utilise chez tout le monde maintenant en première intention depuis 2020. En fait, depuis le guide de 2019 qui est sorti en 2020. Alors, il y a l'expert RIF, il y a le RIF Ultra. Et le RIF Ultra a un avantage, c'est celui du temps du rendu du résultat qui est moindre. Moins de 80 minutes au lieu de 110 minutes avec le premier examen. Et puis, il y a aussi un intérêt dans le sens où vous n'avez pas besoin de beaucoup de bacilles pour trouver l'examen positif. Donc, la limite de détection est très basse donc avec l'ultra-RIF, donc, puisque vous êtes à 11,8 unités formant colonie qui est utilisée donc, pour voir le nombre de bactéries viables au niveau d'un prélèvement. Donc, pour le RIF classique, on est à 131. Donc, quand même, on détecte même donc, en présence de très peu de bacilles. Donc, on peut avoir la détection de ces bacilles et le diagnostic fait. Et puis, donc, la quantification dans l'ultra donc, peut même vous dire s'il y a des traces de bacilles au niveau du prélèvement qui a été technique. Alors, dans cette revue de la Cochrane Library, donc, qui est parue en 2021, donc 9 études qui ont comparé l'ultra et le RIF classique dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et 5 études qui l'ont comparé dans la détection de la résistance à la rifampicine. Alors, vous allez voir que donc, pour l'ultra et le RIF classique, donc, il affiche une sensibilité et une spécificité similaires dans la détection de la résistance à la rifampicine. Et l'ultra affichait une sensibilité supérieure en ce qui concerne le diagnostic de la tuberculose. Et on a expliqué pourquoi. Parce que, donc, on a une détection à des seuils très, très bas par rapport à l'examen classique. Alors, il y a aussi, donc, l'ultra qui a une sensibilité plus élevée, mais une spécificité qui est légèrement plus faible que le classique dans la tuberculose pulmonaire, et en particulier chez les patients vivant avec le VIH. Et la spécificité de l'ultra était inférieure chez les patients qui avaient une tuberculose, mais on parle de quelques pourcents en fait. Donc, pour dire en conclusion que l'ultra et le RIF fournissent des résultats précis qui peuvent permettre de mettre en place de manière rapide un traitement contre la tuberculose et surtout aussi détecter la résistance et démarrer un traitement en cas de tuberculose multirésistante. Je vous rappelle qu'on est à 110 minutes ou moins de 80 minutes pour faire un diagnostic. Alors maintenant, il y a un autre expert, c'est le expert XDR. Donc ça, c'est quelque chose de récent aussi. Donc il permet d'avoir en fait un antibiogramme dans des délais très très courts. Donc, résultat, moins de 90 minutes. Et ça permet de rechercher et de détecter les mutations associées, pas uniquement maintenant à la rifampicine, comme on a vu avec les deux examens précédents, mais cette fois-ci, la résistance à l'isoniazide, au fluoroquinolone, aux médicaments injectables de deuxième intention, que sont l'amikacine, la canamycine, la capriomycine et à l'ithionamide. Donc, en fait, vous avez
un antibiogramme, même sur les antituberculeux de deuxième ligne. Avec, bien sûr, une sensibilité, une spécificité qui sont très, très bonnes. Alors ça, c'est quelque chose dont le Maroc va disposer donc incessamment dans les quelques semaines qui vont venir. Sachant que l'expert et l'expert ultra sont déjà disponibles, donc on travaille avec dans les centres de diagnostic de la tuberculose. Alors un autre examen, c'est le test urinaire lipoarabinomannane à flux latéral, donc qui détecte en fait la lipoarabinomannane, qui est un composant de la paroi cellulaire des mycobactéries qui sont éliminées dans les urines chez les personnes qui ont une tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. Alors, c'est un test très simple, très facile. Donc, vous voyez les différentes étapes donc, pour qu'on puisse faire ce test. Après, c'est une lecture comme sur des bandelettes, donc pour voir est-ce qu'on a un trait ou deux traits. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? Et l'indication, c'est l'immunodépression profonde, donc avec des CD4 qui sont à moins de 200 par millimètre cube, les atteintes tuberculoses graves, mais surtout aussi les tuberculoses où il est difficile d'avoir un échantillon, notamment tuberculose cérébrale ou une tuberculose dans un organe profond, on ne peut pas faire de prélèvement facilement. Donc, on peut faire ce test-là. Donc, ce test a une sensibilité qui varie entre 35% et 42%. Donc chez les séropositifs, mais la sensibilité est beaucoup plus importante lorsqu'on est devant des personnes avec VIH et un taux de CD4 très faible. Donc ça reste un examen qui est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une expectoration, on peut faire le diagnostic même lorsque donc les patients ne peuvent pas soit donner une expectoration, soit qu'on ne puisse pas arriver à un prélèvement pour faire les examens classiques qu'on a vus avant. Alors, un autre examen, l'amplification isotherme induite par boucle, ce qu'on appelle aussi le TB-LAMP. Alors, c'est une amplification isotherme qui est induite par boucle et ça permet en fait de voir donc, rapidement, vous avez ici donc, comment est-ce que c'est réalisé. Donc, en fait, donc, c'est le même principe donc, que ce qu'on a dit tout à l'heure et c'est très facile à faire aussi. Donc, avec une lecture qui se fait donc, sous lumière ultraviolet, donc, et ça permet donc, de faire donc, le diagnostic donc, rapide. Et vous allez voir que la sensibilité est plus élevée que la microscopie dans les frottis, dans les frottis d'expectoration. Donc, il a une sensibilité similaire à l'expert et il a une spécificité. Ce qui est similaire à l'expert et à l'examen direct des expectorations. Donc, c'est un examen intéressant. Donc, si on veut comparer maintenant ces examens et voir leur sensibilité, leur spécificité, leur valeur prédictive positive et négative, donc vous voyez que le LAMP a une bonne sensibilité, une spécificité qui est à 100% pour les trois examens. Par contre, l'expert aussi a une bonne sensibilité, mais l'examen direct, donc dans ce travail-là, on est à peine à 25,3%. De sensibilité. Donc, ce manque de sensibilité, donc, il est à rattraper avec les autres examens, que ce soit avec l'expert ou avec le TB-LAMP. Donc, si en fait on devait voir les choses d'une autre manière, ça dépend du nombre de colonies de bacilles qui sont détectables, donc qui sont présentes dans les prélèvements. Si c'est important, la microscopie va donner le diagnostic. Sinon, c'est la PCR qui va donner le diagnostic. La culture peut donner le diagnostic, même avec un nombre très faible, puisqu'on va laisser donc, les bacilles donc, en culture pendant des jours. Et puis, si on devait mettre une autre barre à côté, donc ça serait la clinique, parce que la clinique reste en fait l'élément qui va attirer l'attention, c'est le clinicien donc, qui va choisir après l'examen sur une suspicion clinique de tuberculose. Et j'estime que c'est plus sensible donc après. Donc, il faut confirmer le diagnostic par ces examens. Alors, qu'en est-il au Maroc avec ces examens depuis 2020? Donc, l'expert MTB-RIF donc en première intention, même on a le MTB-RIF ultra maintenant au niveau de beaucoup de centres. Donc, si l'expert n'est pas disponible, on fera un examen direct dans les frottis, en microscopie classique comme on a l'habitude de faire. En troisième intention, une culture si l'expert et l'examen direct sont négatifs.
Et puis, le LF-LAN donc, est disponible au Maroc, il est indiqué chez les VIH, soit en troisième intention si l'expert est négatif ou en première intention en cas d'immunodépression avancée et lorsqu'on a des formes avancées de la maladie. Et c'est un examen qui est disponible dans les centres de référence de la prise en charge du VIH à l'heure actuelle. Maintenant, on peut discuter, donc c'est une discussion qui est déjà lancée, l'extension de cet examen pour les tuberculoses extrapulmonaires où on a des difficultés pour avoir un prélèvement à examiner. Alors, pour le traitement de la tuberculose, donc je vais donc vous parler, je vais essayer encore une fois d'être rapide, plus rapide si je peux, de vous parler des actualités en matière de traitement de la tuberculose sensible, mais il y a aussi beaucoup d'actualités en matière de tuberculose multirésistante. Donc, je vais passer rapidement donc, sur les choses qui sont connues. Donc, ça, c'est les protocoles thérapeutiques que vous connaissez bien. Donc, on est donc, dans l'ATP, la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, à 6 mois de traitement avec 4 antibacillaires, RHZ et tambutol, et 4 mois de RH, donc dans la phase de continuation. Et lorsqu'on est devant des tuberculoses graves, méningées, neuroméningées, ostéo-articulaires ou pulmonaires étendues, donc on étend le traitement, en fait, la même phase initiale, mais une phase de continuation sur 7 mois pour un régime global de 9 mois. Je passe sur les effets secondaires, mais surtout sur les contre-indications des antibacillaires que vous connaissez bien. La seule chose qui a changé, et je ne sais pas si ça, en tout cas nous, ça a changé pour nous depuis des années, mais c'est ressorti sur les articles récents. Donc, la grossesse n'est pas une contre-indication à l'utilisation de la pyrazinamide. Mais ça, c'est quelque chose que nous faisions avant, donc même que ça soit dans les publications. Alors, dans le traitement de la tuberculose sensible, en fait, la recherche, c'est celle d'essayer de raccourcir au maximum le traitement. Qu'est-ce qu'on peut grignoter sur les 6 mois? Donc, qu'est-ce qu'on peut baisser à 4 mois? Donc, ça, c'est un essai qui a été fait au service il y a très longtemps, en 1995. Donc, c'était dans la tuberculose pleurale isolée, un essai régime court de 4 mois et régime de 6 mois dans le temps. Donc, et déjà, donc, cet essai-là, donc, malgré peut-être les insuffisances sur le plan méthodologique, donc, montrait qu'il y avait une bonne réponse même à 4 mois, donc, par rapport à 6 mois. Maintenant, on a repris, donc, ça, c'est des articles récents, donc, et on a essayé de voir est-ce qu'on pouvait réduire à 4 mois en utilisant d'autres molécules. Donc, il y avait donc un essai avec la rifapentine et la moxifloxacine, un essai avec la moxifloxacine et un essai avec la gatifloxacine. Et vous voyez que ces 3 essais, en fait, sont négatifs. Il y a un échec pour les 3. Donc, et tous les essais et les régimes alternatifs qui utilisent les fluoroquinolones à la place de l'étambutol et de l'isoniazide n'ont pas montré d'efficacité et ne permettent pas de raccourcir la durée du traitement. Alors, autre chose donc, qui est ressortie sur les recommandations de l'OMS en 2020, donc, c'est la place de la corticothérapie. Donc, elle est dans les recommandations de l'OMS systématique dans les méningites tuberculeuses, 6 à 8 mois de traitement, et elle n'est plus systématique, il faut la discuter au cas par cas pour les péricardites tuberculeuses. Alors, qu'en est-il maintenant de la tuberculose et VIH? Donc, les nouvelles recommandations de 2021, donc un traitement antirétroviral qui doit être démarré dès que possible, dans les 2 semaines qui suivent le démarrage du traitement antituberculeux, quel que soit le nombre de CD4 parmi les personnes qui vivent avec le VIH, sauf lorsqu'il y a des signes ou des symptômes de méningite. La corticothérapie, comme on l'a vu, elle est systématique au cours du traitement de la méningite tuberculeuse et le traitement rétroviral doit être retardé d'au moins 4 semaines et initié dans les 8 semaines après le démarrage du traitement d'une méningite tuberculeuse. Alors maintenant, le traitement de la tuberculose multirésistante. Donc, comme vous le savez, une tuberculose multirésistante, c'est une résistance à la rifampicine et l'isoniazide.
et on parle d'ultra-résistance lorsqu'il y a une résistance supplémentaire au fluoroquinolone ou au moins à un des antituberculeux injectables de deuxième ligne, que sont l'amikacine, la capriomycine et la kanamycine. Alors, dans le monde, 157 947 cas, au Maroc, 289 cas de tuberculose multirésistante sur les statistiques de 2020. Alors, comment on procède? Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en fait, on procède par étapes. Donc, on choisit dans la première étape les médicaments de première ligne, un des deux médicaments de première ligne ou les deux. Et après, on ajoute une fluoroquinolone. Et après, on ajoute un médicament injectable dans les agents injectables, essentiellement la cana, la micacine et la capriomycine. Et puis, par la suite, donc, l'étape 4, c'est d'inclure un médicament de seconde ligne jusqu'à ce qu'on obtienne 4 à 6 médicaments. Donc, et vous avez les médicaments de seconde ligne, c'est l'éthionamide, le protionamide, la cyclosérine et le PAS. Et puis, vous avez les médicaments de troisième ligne, que sont la clofazimine, la clarithromycine, l'amoxicilline acide clavulanique, le linozolide, donc, et le meropenem, et je passe, et il y a d'autres molécules, on va les voir après. Alors maintenant, dans le traitement de la tuberculose multirésistante, il y a 3 choses importantes. La première, est-ce qu'il y a de nouvelles molécules? La deuxième, est-ce qu'on peut raccourcir la durée du traitement? Et la troisième chose, est-ce qu'on peut avoir un traitement sans agent injectable? Vous allez voir que les agents injectables, beaucoup d'effets secondaires, et en particulier la surdité, qui est définitive chez les patients. Donc, est-ce qu'on peut donner un traitement sans avoir recours à ces agents? Maintenant, première des choses, est-ce qu'il y a des nouvelles molécules? Donc, ça, c'est depuis qu'on commence à traiter la tuberculose, depuis la streptomycine. Donc, et vous voyez qu'on arrive à de nouvelles molécules qui sont utilisées, par exemple, l'agatifloxacine ou donc d'autres molécules un peu plus tôt, donc comme la bédaquiline donc, ou le délamalite. Alors ça, c'est la classification de 2016. Donc, on classe les antituberculeux en groupe A, B, C. Donc, et on peut ajouter des médicaments du groupe D, donc pour arriver à ces 4 ou 6 médicaments qui doivent être donnés chez le patient. Je passe sur ces détails. Donc ici, vous savez que donc, sur ce travail donc, qui est très récent, qui date de 2021, donc on a chercher à voir en fait la fréquence des conversions des cultures dans les expectorations dans les 6 mois qui suivent le début du traitement avec bédaquiline et ou délamalide et voir quels sont les facteurs de risque de non-conversion chez les patients. Alors, le résultat de ce travail, c'est que le régime qui inclut les nouvelles molécules, bédaquiline ou délamalide, négative les cultures dans 6 mois chez 85% des patients. Donc, ce qui est un excellent résultat. Et lorsqu'il n'y a pas de négativation, c'est essentiellement chez les VIH et lorsqu'il y a des formes extensives, cavitaires, importantes de tuberculose pulmonaire. Alors, est-ce qu'on peut aller vers un traitement court? Donc, ça, c'est quelque chose qui a été démarré au Bangladesh en 2010. D'ailleurs, le traitement court, donc on l'appelle traitement court Bangladesh. Donc, on l'a lié à ce pays. Donc, et dans ce pays, on a essayé un traitement de 9 mois au lieu de 18 à 24 mois en utilisant d'emblée, en initial, 7 molécules. Donc, et ce traitement a permis de réduire ou d'atteindre la guérison donc, et la négativation des cultures dans 80% des cas. Alors, vous avez ici un travail donc, récent, 2019, qui compare le traitement court 9-11 mois, type Bangladesh, et le traitement classique 20 mois donc, qu'on utilise dans les tuberculoses multirésistantes. Donc, le critère majeur, c'est de voir la négativation des cultures à 132 semaines ou avant. Alors, vous avez donc, comme résultat de ce travail que le régime court faisait aussi efficace. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas. On tourne aux alentours de 80%. Donc, ça fait aussi bien donc, que le régime court fait aussi bien que le régime lent. Donc, et ceci donc, permet, on arrive à ces résultats dans les tuberculoses résistantes à la rifampicine et sensibles donc, aux fluoroquinolones et aux aminosites. Alors, depuis 2016, l'OMS a recommandé donc, dans les tuberculoses MDR, y compris chez les VIH et les enfants, un régime standardisé
4 à 6 mois de kanamycine ou amikacine, moxifloxacine, protionamide, clofazimine, pyrazinamide, étambutol et isoniazide haute dose, plus 5 mois de moxiclofazimine, pyrazinamide et étambutol. Alors maintenant, est-ce qu'on peut proposer un traitement sans agent injectable? Donc, vous avez ici donc, une publication dans le New England. Donc, c'est un travail sud-africain, 2020, donc, qui a donc, sur 109 patients avec une tuberculose multirésistante. Donc, on a essayé un traitement court donc, en utilisant la bédaquiline, la prétomanide ou le linozolid. Donc, et vous avez ici donc, les résultats qui sont bons. Donc 89 et 92%, mais avec des effets secondaires, donc à type de neuropathie périphérique pour le linozolide, donc ou de aplasie médulaire, donc 48% quand même de patients ont fait des aplasies médulaires. Alors ici en 2021, une nouvelle classification, mais je vais passer sur ça. Donc les médicaments sont classés en groupe A, B et C, donc et c'est avec ça. À la carte qu'on constitue en fait notre régime thérapeutique. Donc, et les recommandations de 2021, c'est un schéma thérapeutique plus court, entièrement oral, contenant de la bédaquiline d'une durée de 9 à 12 mois, et aussi une recommandation d'un schéma thérapeutique de 6 à 9 mois, composé de bédaquiline, de prétomanide, de linozolid, donc qui peut être utilisé donc, chez certains patients. Alors au Maroc, donc c'est le régime qu'on adopte selon notre guide de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Les 7 médicaments, donc bédaquiline, protionamide, isoniazide forte dose, et puis aussi la moxifloxacine ou la levofloxacine, la clofazimine, l'étambutol et le pyrazinamide. Donc on a une phase intensive de 4 à 6 mois et puis une phase de continuation de 5 mois avec les 4 molécules donc, qui sont donc la moxifloxacine, la clofazimine, l'étambutol et la pyrazinamide. Alors on ne donne pas, bon, on donne le traitement court d'abord lorsque il n'y a pas de prise antérieure de médicaments de deuxième ligne, donc ni de bédaquiline, lorsque ou une prise de moins de un mois, lorsque la tuberculose pulmonaire n'est pas extensive, lorsqu'on est devant une tuberculose extrapulmonaire qui n'est pas sévère et lorsqu'on est devant des patients âgés de 6 ans et plus. Et on donne le traitement long lorsqu'on est devant des tuberculoses extensives, devant des tuberculoses pulmonaires sévères, devant une résistance au quinolone, une prise antérieure de médicaments de deuxième ligne. Donc, ce que je veux essentiellement passer comme message, c'est que le traitement court, il est utilisé au Maroc. Donc, on l'utilise. Les médicaments sont disponibles. Donc, on a de quoi faire. Et puis, on choisit le traitement court ou long en fonction des indications. Donc, comme il y a sur cette diapositive pour le traitement long. Alors maintenant, l'infection tuberculeuse latente. Donc, comme vous le savez, une infection tuberculeuse latente, c'est un sujet infecté, mais non malade. Donc, pas de signe clinique, pas de signe radiologique et pas de risque actuel de transmission de mycobactéries. Et puis, il y a une signature immunologique. Donc, lorsqu'on fait une intradermo ou de test IGRA, donc, en fait, donc on va détecter est-ce que ce patient donc, a cette signature immunologique, mais on ne peut pas savoir avec ces deux examens ou deux types d'examens est-ce que le malade est malade. Donc, on ne fait pas de diagnostic bactériologique. Donc, on fait un diagnostic en fait immunologique de la chose. Et puis, donc, il y a un risque de réactivation qui est variable, vous le savez très bien. C'est 20% des malades qui ont fait une tuberculose latente qui feront une tuberculose maladie. Et ceux qui feront une tuberculose maladie le feront dans 80% des cas dans les deux années qui suivent leur infection. Donc, ça vous donne une idée donc, de ce que risque d'arriver donc, chez les patients qui font une infection. Mais on sait aussi que si on veut éliminer un jour la tuberculose, il est nécessaire de cibler non seulement les gens qui sont malades, mais aussi les personnes qui ont une infection tuberculeuse. Donc, bien sûr, on estime que ces personnes-là sont très nombreuses. On pense que c'est le quart ou le tiers de la population mondiale. Et aussi, donc, il faut éviter que ces personnes-là ne deviennent malades. Et ça, c'est l'objectif, le nouvel objectif des stratégies. Alors, dans l'infection tuberculeuse latente, on va essayer de voir
où on va dépister, quelles sont les populations cibles, ce qu'il y a du nouveau, et puis quels sont les moyens diagnostiques, ce qu'il y a du nouveau, quel est le schéma thérapeutique, donc encore une fois, l'actualité. Alors, dépister, donc ça c'est la recommandation de l'OMS en 2020, il vous dit donc qu'il y a des populations où c'est recommandé, c'est les personnes qui sont infectées par le VIH, les personnes qui sont en contact avec des malades avec tuberculose contagieuse, qu'ils soient adultes ou enfants. Lorsqu'on veut initier un traitement par anti-TNF-alpha, ça vous parle un peu plus. Les préparations à une transplantation d'organes ou une transplantation de cellules souches, en cas de malade dialysé et en cas de silicose, parce qu'on sait que la fréquence de l'association silicose-tuberculose. Et puis, l'OMS nous dit qu'il faut envisager aussi ce dépistage chez les prisonniers, les immigrants de pays endémiques, les sans-abri, les toxicomanes et les professionnels de santé. Il nous dit aussi que ce n'est pas justifié chez les diabétiques, ce n'est pas justifié chez les alcooliques, ce n'est pas justifié chez les fumeurs et ce n'est pas justifié chez les personnes dénutries, à moins qu'ils soient dans l'une des deux catégories qu'on a vues auparavant. Si c'est un fumeur, par exemple, qui a un tuberculeux bacillifère dans l'entourage, ben à ce moment-là, il faut faire le dépistage. Alors, au Maroc, donc, les recommandations actuelles, c'est qu'on va dépister chez les sujets contacts d'une tuberculose confirmée bactériologiquement, chez les patients vivant avec le VIH, chez les candidats pour une transplantation ou ceux qui nécessitent des immunosuppresseurs, chez les hémodialysés et chez les candidats pour un traitement par inhibiteur de facteurs de nécrose tumorale alpha, à savoir les anti-TNF alpha. Donc ça, c'est nos recommandations donc, actuelles pour le dépistage. Moyen diagnostique, donc ça, c'est des photos jolies, mais je passe sur ça, l'intradermoréaction, le contiférent ou le TB-spot. Donc vous savez que c'est des tests IGRA. Donc soit on dose l'interféron gamma directement, c'est le contiférent, ou on cherche les cellules qui produisent cet interféron gamma, et c'est les TB-spot ou les T-spot TB. Alors, ça c'est la comparaison, mais ça c'est des choses anciennes qui sont connues, donc je passe sur ces choses-là, pour dire que le contiféron ou les tests IGRA en général sont plus spécifiques, qu'ils se font donc ex vivo, et que donc, ça permet aussi d'avoir un résultat, soit positif ou négatif ou indéterminé. Alors ça, c'est la sensibilité et la spécificité, mais pour faire une lecture rapide, donc la spécificité, elle est bonne partout. Et si je dois faire, donc le problème donc restera, donc plutôt la sensibilité, elle est bonne partout, mais pour la spécificité, donc tout dépend donc de ce qu'on a. Le fait d'avoir une intradermo positif, donc ça peut être aussi en rapport avec la vaccination BCG, avec une autre mycobactérie, pas forcément avec le mycobacterium tuberculosis. Donc ça, c'est là où les tests IGRA deviennent intéressants. Alors les schémas thérapeutiques, donc ça c'est les recommandations de l'OMS, soit 9 mois d'isoniazide ou 3 mois de rifapentine plus isoniazide une fois par semaine, ou 3 à 4 mois d'isoniazide avec rifampicine, ou 3 à 4 mois de rifampicine seul. Donc ce qui nous intéresse, nous, donc nos recommandations, c'est de traiter isoniazide 7 jours sur 7 pendant 6 mois chez l'enfant et isoniazide 7 jours sur 7 pendant 9 mois chez l'adolescent et chez l'adulte. Donc, on va traiter qui ? Ben, ceux qu'on a trouvé positifs par les tests de diagnostic de l'infection tuberculeuse latente dans les populations cibles de dépistage. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller, bien sûr, en ayant éliminé une tuberculose maladie. On parle d'une infection tuberculeuse latente. Alors, les vaccins antituberculeux, donc le vaccin BCG, juste pour vous dire que le premier essai pour le vaccin BCG, c'est 1921. Donc, il est, je pense, parmi les plus anciens vaccins qui sont encore utilisés. Alors, il permet une immunisation contre la tuberculose. Il est fait par la voie intradermique stricte. Donc, le BCG, il est efficace contre la survenue de formes graves de tuberculose, miliaire, méningite tuberculeuse et formes disséminées, mais il a une faible efficacité en population générale pour protéger contre la tuberculose pulmonaire tout court. Donc, et je donne d'ailleurs cet exemple lorsqu'on parle de la vaccination de la COVID-19. On accepte qu'on vaccine par le BCG à la naissance tout le monde,
parce que ça, on sait que ça protège contre les formes graves. Il a un intérêt, ce vaccin. Depuis que la vaccination par le BCG a été élargie, on voit moins de miliaires tuberculeuses, moins de méningites tuberculeuses, moins de tuberculose disséminée multifocale. Mais on sait que ça ne protège pas contre la tuberculose. La preuve, c'est les chiffres que nous enregistrons chaque année, malgré que la vaccination chez nous est obligatoire à la naissance. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il faut mettre au point un vaccin qui protégerait mieux contre la maladie. Et ça, c'est un objectif prioritaire dans le contrôle de l'épidémie de la tuberculose à travers le monde. Mais on va voir qu'on est encore loin, donc on n'est pas tellement dans les bons résultats. Il y a deux candidats vaccins à l'heure actuelle. Donc un candidat vaccin, le M72-ASO1E, qui est une protéine de fusion à partir de deux antigènes immunogènes. Je passe sur les détails. Il y a un deuxième candidat qui est le MVA85A. Alors, on va prendre déjà le M72-AS, donc ASO1. Donc ça, c'est une étude qui a été faite au Kenya, en Afrique du Sud et en Zambie. Et l'objectif principal était d'évaluer l'efficacité du vaccin dans la prévention de la tuberculose pulmonaire active. Donc, notez le résultat. Efficacité du vaccin au 36e mois, 49,7%. On n'est même pas dans les 50% recommandés. Donc, et par contre, dans cette méta-analyse qui est publiée en 2020, donc on sait que ces vaccins sont immunogènes. Les deux sont immunogènes. Et on sait aussi que c'est des vaccins sûrs. Et ça, ça ne pose pas de problème. De point de vue safety et sécurité du vaccin, ils sont sûrs. Donc, aussi bien donc, chez les personnes vaccinées par le BCG ou non vaccinées, chez les séropositifs, les séronégatifs, et aussi chez les personnes qui ont été déjà infectées par le BCG, infectées par la tuberculose. Pardon. Donc, en termes de vaccination, est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a des candidats vaccins, mais on n'a pas encore trouvé le bon vaccin qui va remplacer le BCG ou qui fait mieux que le BCG. Maintenant, une question aussi, est-ce que le BCG protège contre la COVID-19? Le BCG, donc on a avancé cette hypothèse dans la mesure où le BCG, on sait qu'il a des effets indirects sur les autres infections, il y a moins de mortalité dans les pays où le BCG est obligatoire, notamment au Maroc, moins de mortalité par la COVID-19. Et puis, il y a plusieurs essais en cours. Et vous allez voir déjà celui qui est publié en août 2021, qui est un essai canadien. Donc, je passe sur le détail pour vous dire que le BCG, dans ce travail-là, dans cet essai-là, n'offre pas de protection à long terme contre les formes symptomatiques de la COVID-19 ou les formes sévères de la maladie. Donc, on ne peut pas l'utiliser donc comme moyen de prévention pour la COVID-19. Je pense que c'est la dernière. Donc, en conclusion, donc, la tuberculose constitue toujours un problème de santé publique. Donc, je rappelle qu'il est important d'adhérer au programme national de lutte anti-tuberculeuse qui va, comme vous l'avez vu, de pair avec les actualités scientifiques et les recommandations de l'OMS en la matière, et qu'il faut renforcer les efforts de tout le corps médical et agir d'abord pour avoir un diagnostic sûr, et puis par la suite, un traitement qui soit efficace et bien toléré. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur professeur Moulay Hichem Afif, pour cette excellente présentation. La tuberculose nous interpelle tous, donc on est tous interpellés par la tuberculose. C'est une infection à l'état endémique. On est toujours, donc, on raffole de toutes les nouveautés diagnostiques et thérapeutiques. Alors, on va passer à la discussion, on va prendre quelques questions. Première question de l'assistante, si vous permettez, virtuelle. Docteur Kanbi, qui pose une question à Monsieur Afif. Et il vous demande, dans le cas clinique que vous avez présenté, qu'est-ce qui fait penser à une autre infection, outre que la tuberculose et la COVID? En fait, on n'avait pas de signe pour dire est-ce qu'il y a autre chose que la tuberculose et la COVID. La tuberculose, sûre, il fallait y penser parce que c'est une image de miliaire. La patiente était fébrile, c'est une urgence, donc il faut y penser. Et puis, si vous avez bien noté dans l'histoire de la maladie, il y a quand même un début progressif 3 mois auparavant, avant une aggravation récente. Donc la tuberculose, ça ne pose pas de problème.
La COVID-19, on pense à la COVID-19 parce qu'on est en période de pandémie et parce qu'il y avait du verre dépoli un peu partout sur la TDM thoracique. Et le reste pour l'autre, donc l'entérovirus, en fait, ça a été retrouvé dans le multiplex. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a ciblé dans le diagnostic, mais on a fait un multiplex et on a eu trois germes, en fait, tuberculose, COVID et entérovirus. Madame Sousse ? Oui, c'est... oui, Madame Hiddash, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on est en droit de traiter toutes les infections tuberculeuses latentes indépendamment du seuil de positivité de quantiférent? On est en droit de traiter dans les populations qu'on a dit chez lesquelles on va dépister. Oui, il faut traiter. Il faut traiter par 9 mois chez l'adulte avec les ioniazides seules. Et bien sûr, en ayant écarté une tuberculose maladie, parce qu'auquel cas, on aurait traité en monothérapie pendant 9 mois quelqu'un qui fait une tuberculose. Mais je pense qu'il faut y aller, il faut traiter. Pour le quantiférent, c'est positif, négatif ou indéterminé. Donc, si c'est positif, c'est positif. Si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est indéterminé, on discute. Monsieur Benmémon. Mais il ne faut pas qu'il y ait de signes cliniques, il ne faut pas qu'il y ait de signes radiologiques, il faut qu'il n'y ait rien qui soit en faveur d'une tuberculose maladie. Monsieur Benmémon. Ah, merci. Moi, j'ai deux petites questions. Alors, la première est d'ordre pratique. Patient diagnostiqué tuberculeux, mais son état hépatique ne permet pas de donner les antituberculeux classiques, INH, rifampicine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend en fait du bilan hépatique et du taux de transaminase. Donc il y a des choses qu'on peut tolérer, il y a des choses où on est obligé d'arrêter. Donc si on est à plus de 5 fois la normale, on ne peut pas donner les tuberculeux. Et c'est pratique, c'est un malade. Ben, si on est à plus de 5 fois la normale, on ne va pas donner les antituberculeux dans un régime classique. Et on va essayer de choisir sur les antituberculeux ceux qui sont les moins nocifs et en surveillant. Mais pour bien répondre à la question d'Exi Benmimoun, il faut que je sache de quoi on parle. Si on parle d'une miliaire ou d'une tuberculose confirmée grave, alors on pèse le pour et le contre de ce qu'on est en train de faire. Ben, si on parle de quelque chose, je ne sais pas, une pleurésie, et si je suis, par exemple, à 5 mois de traitement et que le malade me fasse des effets secondaires graves, hépatiques, ben, si je suis dans ce cas-là, je peux même arrêter mon traitement à 5 mois. Donc, en fait, c'est toujours un pour et un contre. Un pour et un contre. Et c'est une discussion du cas par cas. Et puis, à ce moment-là, on discute en fonction du bilan hépatique et on voit. Non, j'ai encore une petite question. Uniquement, c'est pour... Quelle est la part des mycobactériums atypiques dans... Il semble qu'on n'en ait pas beaucoup, mais on n'a jamais su pourquoi. Donc, on a de l'eau, on a surtout c'est les tous les milieux possibles pour qu'il y ait des mycobactériums atypiques. Mais en posant la question à nos bactériaux, notamment Mme Mdari qui était avec nous jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils les cherchent, mais ils ne les trouvent pas. Donc, on trouve quelques cas, mais ça reste vraiment rare par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Ouais. Maintenant, je pense que si on utilise certains tests, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, donc pour voir est-ce qu'on est dans le complexe mycobactérium tuberculose, je pense qu'on peut rattraper quelques cas. Mais ce n'est pas très fréquent dans notre contexte. Merci. Ça, c'est des choses qu'on dit depuis des années. On dit toujours la même chose, on n'en voit pas. En fait. Madame Kinsey. Oui, merci Monsieur Afif pour cette excellente mise au point. Je voulais juste vous poser, alors, première question, est-ce que vous en trouvez encore de la tuberculine? Parce que nous, franchement, c'est fini. À chaque fois qu'on demande l'intradermo, on nous dit pas de tuberculine disponible, donc la première. Ouais. Et la deuxième, on traite en préventif, quand on a un quantiférent positif avant un anti-TNF alpha, on traite on a dans les recommandations les 9 mois, c'est vrai, mais les 3 mois aussi de rifampicine isoniazide. Faut-il abandonner cette option ou est-ce qu'on peut continuer comme ça avait été proposé? Alors, lorsqu'on essaye de comparer 9 mois d'isoniazide seul et 3 mois de rifampicine isoniazide ou l'association rifampicine isoniazide, c'est un problème d'effet secondaire en fait,
qui va se poser. Et les effets secondaires essentiellement hépatiques. Donc, si vous prenez un petit peu ce qui a été publié, il y a pas mal de patients donc, qui font des hépatites médicamenteuses sous association rifampicine isoniazide. Maintenant, pour des gens qui ne sentent rien du tout, qui n'ont pas de problème, c'est un petit peu dérangeant. Donc, c'est pour cela que dans le Comité national de lutte anti-tuberculose, on a opté pour l'isoniazide seul à 9 mois. En ayant, bien entendu, fait toute la recherche bibliographique nécessaire donc, et s'assurer de cela. Alors, l'intradermo, la tuberculine pour l'intradermo, c'est sûr. Donc, il y a des moments de rupture et souvent, la rupture est à l'international. Même si vous voulez la voir, vous ne la trouvez pas. Donc, ce qui nous fait rabattre sur les tests IGRA, donc sans qu'on ait le choix. Maintenant, il y a une différence de coût entre les deux. C'est sûr que c'est intéressant de faire un test IGRA, mais on n'est pas dans la même fourchette de coûts. Pour un programme national et en termes de santé publique, c'est un petit peu dérangeant. Mais on n'y peut rien, donc si besoin, donc on le fera. Une dernière question de l'assistance virtuelle, de la part du docteur Hilali. Signature immunologique dans un bilan uvéite, on traite comme tuberculose latente ou non? Uvéite en rapport avec quoi? Alors, voilà, j'éclaircis. On est souvent confronté à un problème d'uvéite, panuvéite, de vascularite rétinienne, pour laquelle on suspecte une origine infectieuse, une tuberculose. Et le diagnostic est très difficile à confirmer. Et la question de M. Hilali, c'est est-ce que la signature immunologique par un test IGRA est suffisante pour décider le traitement antibacillaire? Non. Parce que si on veut mettre le traitement antibacillaire, traiter, pas traiter en tant qu'infection latente. Non, traiter carrément, parce qu'on a une uvéite là. Oui, mais à ce moment-là, en fait, c'est un faisceau d'arguments avec un test IGRA positif. Donc, c'est un raisonnement devant un cas avec des arguments en ayant écarté les diagnostics autres possibles pour retenir le diagnostic de la tuberculose. Et le test IGRA positif, c'est un élément d'orientation supplémentaire et un argument supplémentaire dans le traitement. Donc, on ne va pas se baser uniquement sur cet élément, mais si on est dans un faisceau d'arguments, oui, on peut utiliser comme un argument supplémentaire, en plus du reste de la clinique, je ne sais pas, peut-être des données à l'examen ophtalmologique du reste pour décider du traitement. Parce que ce qui nous arrive avec les uvéites, malheureusement, lorsque l'uvéite s'intègre dans une tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire, c'est facile. Mais parfois, on a une atteinte unilatérale qui résiste au traitement classique, immunosuppresseur, corticoïde, et pour lesquels on évoque la possibilité d'une tuberculose. Et les moyens pour arriver à la confirmation diagnostique sont très difficiles. Et c'est parfois, là où on a parlé des tests comme ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, notamment les tests urinaires, donc on peut avoir, même si ce n'est pas très sensible, mais on peut rattraper certains diagnostics. Mais je pense que des cas pareils, lorsqu'on a éliminé les autres possibilités de diagnostic, que le diagnostic de la tuberculose nous paraît le plus probable et qu'on a en plus un cantiférent positif, après, on va traiter et puis par la suite, donc c'est l'évolution qui nous donnera certainement raison sur le traitement. Je ne sais pas ce que deviennent ces malades sous traitement, ce qui s'améliore sous traitement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un même pays qui est identique, un petit peu similaire au nôtre, par exemple en Tunisie, dans les causes des uvéites, ils trouvent pas mal de tuberculose. Alors que chez nous, dans nos séries, on a de très rares cas de tuberculose. Ce qui est anormal. On passe certainement à côté d'uvéites tuberculose sans qu'on arrive à les confirmer. Parce que parfois, il est très difficile de les confirmer. C'est d'autant plus interpellant que la Tunisie n'a pas les mêmes chiffres de tuberculose que nous. Donc, ils ont moins de cas de tuberculose qu'au Maroc. Donc, si l'on en trouve, on devrait en trouver plus.